On se retrouve dans Hitman pour une toute nouvelle série de contrats à la une qui vient de sortir. Allez, tout de suite, on commence direction Sapienza pour Asking for Roberto. Alors dans ce contrat, 3 cibles à éliminer sans contrainte de méthode ni de déguisement. Côté préparation, alors ça va être un contrat assez rapide. On va commencer au niveau du port. C'est parti. Never mind. Figures. Uh-oh, loony alert. Huh? Oops. How great. Bless you. C'est la seconde cible qui était entre guillemets la plus délicate. Second contrat à la une dans Hitman, cette fois-ci direction Hokkaido pour One of Us Fazbear. Alors c'est assez sympa, on a 4 cibles à éliminer, 3 on va dire de la manière dont on veut. Par contre Jason Portman, il va falloir le tuer à la mitraillette avec son propre déguisement. Côté préparation. Alors on va commencer à infiltrer en tant que chirurgien, objet de contrebande. Au niveau des cuisines, alors c'est chambre froide de la cuisine, il y a un grand point de retrait, on va pouvoir y glisser une mitraillette. Silencieux, j'ai pas trop envie de récupérer sur place une mitraillette qui va faire un putain de bruit. Ensuite, pièce de monnaie, seringue, poison mortel. Tout ce qu'il faut, c'est parti.
I am programmed to engage in small talk with my human needs. Strange. Got some strange noises here. Just looking into it, over. He volunteered himself. The curator's as bipolar as they come. He is the ideal test subject. We're okay. What? Là-bas. It's me. I didn't mean to touch you, sir. So sorry. I'm sorry. What the? Merde, on l'a vu. Crap. C'est bon. Sur la tête. Maintenant, on va aller voir Pisto. With a sudden limp on our resident yoga master. I noticed that. Heard him complain about it. Aquariums always fill me with such calm. A little harsh. A total baby. You know, I'm trying to keep calm. I don't like this anyway. I miss it. It gets lonely being in a strange country for a long time, and I can't really. Nothing to report. Possible. Oops. Say, I... Never mind. Huh? Sir, I think you dropped some stuff. Huh. That's okay, it didn't hurt. You need to get your head checked, buddy. No problem here. Just go ahead, man. Sorry. Huh? Oops. How great.
Bon, à un moment donné, il vient hein, de toute manière dans la... dans les toilettes, mais là c'est pour gagner un petit peu de temps, entre guillemets. Alors j'y reviendrai à la fin de la vidéo, mais je me suis fait avoir en éliminant Portman avec son déguisement. J'ai pas compris pourquoi en l'éliminant, le jeu refusait le... l'élimination avec son costume. C'est que en fait, dans la partie objectif, ici on voit le déguisement de 47 sans les bandes. D'ailleurs ils auraient pu le mettre dans le libellé, c'est un peu un piège. Donc maintenant il faut se faire enlever les bandes. Donc pour ça, on est d'armes. On va aller voir le médecin. Mr. Jason Portman. Please come to the hospital entrance. A doctor will escort you to your checkup. That's right. Move that on, was for people. Mr. Jason Portman. Ah, c'est elle, je crois. A doctor will escort Mr. you Portman. To your appointment. Perfect timing. Please follow proceed me to the hospital room, entrance. You, please. You must be eager to see the new you. Gentlemen, Mr. Portman is with me. No need to bother him with unnecessary security measures. I hope you're holding up all right. I read the latest test results that Kai published on the internal network. You're in good shape, Mr. Portman. Might want to cut back on the sake. Hi, whatever. Mr. Portman, thank you for waiting. If you can just sit down for a moment, I'll get started right away. So, let's have a look at you, Mr. Portman. Be still as I remove the bandages. Oh. Oh my. It's astonishing. Not only are you the spitting image of Helmut Krueger, the swelling has completely subsided and there's not a trace of bruising. If I didn't know any better, I'd say you've never undergone surgery. But the stem cells pump through the blood. Zou, maintenant on peut aller tuer notre cible. Ah bah elle est là, elle. Didn't see me there. Elle m'avait perdu. À la fois ce détail est rigolo et la fois frustrant parce qu'on peut refaire X fois le contrat sans comprendre cette subtilité. Maintenant on n'a plus qu'à tirer 2-3 balles dans la tête de notre cible. On mettra tout ça. Voilà, notre arme. Client long, couple of months. Yes, yeah, a good situation. Et voilà, cette fois-ci, la surveillée puis Portman est validée. Troisième contrat à la une, direction Paris Showstopper pour Colletti Files 3 Midnight in Paris. Alors dans ce contrat, deux cibles à éliminer sans contrainte de méthode ni de déguisement. Côté préparation, alors on va commencer au niveau de la salle des enchères équipée d'une pièce de monnaie. C'est parti. Cible.
elle a dévié un petit peu de sa trajectoire. On l'a skippé toute la pièce, c'est les... C'est les autres PNJ qui vont... vouloir à tout prix prendre ma petite pièce. I have been following your band's career with great and wish to commission a piece of music in honor of my upcoming coronation. Sorry. Will you... Whoops, sorry. Oh. T'es timide. Please, go ahead. Okay, weird sound. Be careful, you idiot! Alors, you're gonna get yourself committed! Il y a un serveur qui arrive. On va attendre qu'il passe. What? Oh, sorry. On va passer vers là parce que les gardes sont un petit peu sous tension suite à notre assassinat. Open, sir. Thank you.
prochaine. Plus qu'à attendre notre ami. Alors il y a beaucoup de monde, mais c'est le seul PNJ qu'on voit sur la carte, donc s'il n'y a que lui, on va aller regarder ma pièce. En fait, je les ai tous tués en cas d'accident. À la une, direction Sapienza dans sa version l'icône Babies in Blue. On rapporte bien son nom. Trois cibles à éliminer, deux femmes avec, j'espère pour elles, des perruques bleues, sinon c'est des jolies teintures. À éliminer, méthode et déguisement au choix. Côté préparation, bon, lieu de départ, on n'a pas le choix, par contre, on va s'équiper une pièce de monnaie, un pistolet. De charge silencieuse. C'est parti. Allez, c'est parti. On va utiliser une même technique qu'on avait utilisée dans un précédent contrat pour aller éliminer un policier. Et il se trouve qu'il y a une des cibles qui est tout proche. Ça va bien nous servir. Sans personne nous a repéré. Ensuite, la cible est là. S'il va venir. On va se mordre, vite fait, bien fait. Ensuite, extracteur. Hey, you might be pals with Dino Bosco, but you're not coming through here. Okay, let's start shooting. I don't want to have to come look for you, okay? Stay focused, people. Sorry, sir. No film crew allowed here. Please turn around and keep walking. Hey, mister. I think you dropped that. Ah, je sais pas trop ça. Il y a une deuxième explosion. Parce qu'il y a vite le victime innocent qui s'affiche là. Ça a l'air d'être au pied. On
quand il y avait des bombes de gaz. Yeah, this is bullshit. There's nothing going on out here. I'm coming home. I'm out. Wake up, Strongo. You are not. Check every square inch. Move, move. Roger that. Oh, sorry, excuse me. You seem to have forgotten something. No, it's not spandex. Potato, potato. I'm sorry. Whoa! Excuse you. Oh, crap. Sur la petite dame. Excellent. J'avais jamais utilisé avant la charge sur un tonneau comme ça. J'aurais bien fait un petit trou dedans, mais c'est vrai que tirer dessus ça aurait été suspect. Que ce soit percé avec le tournevis ou encore une fois avec une arme, ça aurait été suspect, donc je me suis dit pourquoi pas la charger, et finalement ça marche très bien. Encore une fois, un contrat plutôt rapide. Cinquième contrat à la une de cette nouvelle série Direction Hokkaido pour Internal Affairs version 2. Alors dans ce contrat nous avons trois cibles à éliminer au fusil à pompe, impératif d'avoir le costume, une seule sortie sera disponible, on ne peut tuer que les cibles, impossible d'être vu en train de faire quelque chose de suspect, effacer les traces au niveau des caméras si on est filmé, cacher tous les corps, garder notre costume du début jusqu'à la fin et interdiction de maîtriser qui que ce soit, rien que ça. Préparation. Alors on va commencer au niveau de la morgue, c'est là où sont nos cibles. Toujours à côté de la morgue, on va y mettre un fusil à pompe silencieux. On va se prendre un brouilleur à usage unique au cas où. Un costume un peu sympa. Et c'est parti. Hey, so you're the curator's research aide, right? Let me guess. You want to know about the medical trial? Oh, so it is true. The guy had a medical trial. Il va falloir être mobile. Tuer les deux cibles sans se faire repérer. Say, right. Go see what the hell that was. Absolutely. Nice! Sorry, you're just gonna have to wait for my reception. Huh? C'est mes dernières cibles. Alors c'est bien parce que la couleur du fusil est raccord avec notre costume. C'était pas voulu, hein. Là, maintenant, il faut cacher les corps. Faut attendre que le médecin bouge. Sorry, you're just gonna have to wait for my research paper. I'm following the
trial closely, and with a little luck, he'll be the basis for my doctorate. All I can say is... Putain, la vache, il était rapide, eh. J'ai le temps de, fine, mais... Fine, I'll just have to ask you again when you're drunk. Faire les choses bien. Les deux premiers qu'on a assassinés sauvagement et qu'on a laissés sur place. Allez, nouveau contrat à la une, direction Sapienza, le monde de demain pour Sun Drenched Town. Dans ce contrat, nous avons 5 cibles à éliminer sans contrainte de méthode et d'utilisation. Côté préparation, alors on va commencer au niveau du port. On va s'équiper du crochet de charge silencieuse. Et c'est parti. Première cible. Éliminé dans l'église. Ensuite, on va poser la charge. En tirant sur l'extincteur, ça peut faire fuir la cible. Merci, il est éliminé. Ok, make some room. Ensuite, seconde cible. Un idiot qui fait quelque chose qu'il devrait pas faire. Elle a bien résumé l'affaire. It was nothing. Huh. What? Command. All right, there's a hard ass. Back to work, but keep those eyes open. On va chercher un extincteur, un autre. Hein?
cible difficile d'accès. On va jouer la carte de l'extincteur. On va trouver une surface où on peut poser notre extincteur. Excuse me, sir. I think you dropped something. Peut-être le distraire, lui. Qu'est-ce qu'il a dû là? Get your shit together and you're off to work. Pronto! It's almost lunchtime. Okay. Ah, s'en va, bonne opération. Why do I must be hard to keep that suit clean. I told Mother I wasn't going to be in touch anymore. Good for nothing, Bloodbeat loser. Si on tirait tout cela, ça serait assez royal. Alors est-ce qu'on m'a repéré ou pas? Sans se faire repérer, ben c'était juste hein. On va peut-être en profiter pour détruire les cams. Ouais. Ce sera fait, on sera plus à l'aise. De cible, là je suis un peu. Il en reste une. On va prendre un extincteur au passage, ça fera que le troisième. Si je pense que j'en ai pas besoin. Pour se débrouiller autrement, on a toujours besoin d'un extincteur.
there. Nouveau contrat, direction Bangkok dans sa version La Source, Who Needs Names Anyway. Dans ce contrat, deux cibles à éliminer avec la machette de N.O. Barra. Équipé de notre costume, tous les corps devront être cachés, interdiction de neutraliser qui que ce soit, il va falloir garder notre costume du début jusqu'à la fin. Côté préparation, donc terrasse de l'hôtel pour le départ, on n'a pas le choix, objet de contrebande c'est pareil, mais j'ai dû placer notre machette. Pistolet, pour y avoir usage unique. On va se prendre le géant pour distraire nos deux cibles parce qu'il se trouve qu'elles sont ensemble. C'est parti. Première chose, la machette. Un garde en dessous qu'il va falloir distraire. Stay on the alert. Direction à chaque fois, première étape, deuxième étape c'est celle-ci la plus scabreuse. Voilà, le gars regarde de l'autre côté, on peut y aller. Ensuite il va falloir balancer notre épée loin, plutôt sur la droite de la porte. Now, we talked about it. You wanted to do it. Who, remember? Rebecca, have you heard? Who's being funny? Scabreux parce que pour l'avoir fait un certain nombre de fois c'est pas évident pour pouvoir passer avec avec la machette. Faut la lancer près de la porte, faut faire en sorte que l'ouverture et la fermeture de la porte balancent pas la machette n'importe où.
faut arriver à la récupérer sans être vu. Faut revenir vers nos deux cibles. Avec la machette en main, tuer la première cible sans que la deuxième nous voie. Pour ça qu'elle peut t'arracher des pièces. Ça ne faisait pas. Hello. Heureusement, on a ce pétard qu'on a débloqué. Alors, je sais plus, est-ce que c'est le. C'est au niveau professionnel de Sapienza en faisant les missions spéciales, toujours à Sapienza. J'utilise pas souvent ce pétard, mais il est bien utile. À la une de cette dernière série, direction Colorado pour The Honest Chaps. Alors dans ce contrat, nous avons 4 cibles à éliminer, déguisement au choix. Par contre, on aura une cible au corps à corps, une cible au fusil d'assaut, une cible au fusée à pompe, et l'un ou la méthode restera de notre choix. Côté préparation, alors on va commencer à infiltrer au niveau de la zone de démolition, équiper pièces de monnaie, pistolet silencieux, objet de contrebande. On va se mettre un fusil d'assaut au niveau du cabanon à l'extrémité sud du domaine. En fait, c'est le côté où on rentre la toute première fois qu'on joue au jeu. Un fusil d'assaut silencieux. C'est parti. Chercher une arme corps à corps. Utiliser par là. Stop that right now. You're being a nuisance. Checking out some strange noises. Stand by. Okay.
playing games with me, but Uncle, give him a call. Over. Is anyone there? Come out with your hand. Huh? Il a pas vu le... les morceaux de son pote. Là par contre on a plus de silencieux, donc il va falloir être rapide et efficace. Okay, we're looking for a shooter. Go, go. C'est pour ça que la personne qu'on a éliminée avec le tournevis, il est extrêmement important de cacher le corps. Comme ça, on s'affranchit du risque. Le corps s'est repéré dans le. On peut dire dans le merdier du coup de feu. Ensuite, à lui. So, the boss hires this former Interpol looking out for us. Marrakech, une maison sur le sable, snipe style. Forcément, il est question de fusil sniper. Les 4 cibles sont à éliminer avec et il faudra garder notre costume du début jusqu'à la fin. Alors, côté préparation, on va se mettre notre fusil sniper. Cycle 300 Ghost. Au cas où, mais je crois qu'on en aura pas besoin. Là, la première cible. Stand by. Pas mal.
on sait jamais. Contrat à réaliser Paris Showstopper Four Foyer Fatalities. Alors dans ce contrat, 4 cibles à éliminer, méthode et déguisement, notre guise. Côté préparation, alors on va commencer à infiltrer au niveau du centre du visuel, équipé d'une pièce de monnaie. On va se prendre un pétard. C'est parti. Ah, waouh. Alors toutes nos cibles sont au bon endroit. C'est un peu suspect mon affaire. Check it out. Affirmativo. Agitation dans 2 minutes. Dernière victime. On se tire avant que le décor soit repéré. Contrat plutôt rapide. One more time.
d'accord, on n'a pas eu le temps d'être trop trouvé.